Salut les copains, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 avril. Alors, on vous a lancé un petit défi de vacances parce que oui, nous sommes toujours en vacances. D'ailleurs, nous aujourd'hui, on est resté en pyjama. Alors, le défi de lundi, c'était de nous envoyer des devinettes et ce sont Anna et Sacha qui vont essayer d'y répondre. Alors on vous remercie parce qu'on en a reçu quelques-unes. C'est parti. Alors, j'espère que vous allez entendre. Nous avons deux petits garçons qui nous ont envoyé une vidéo. Alors c'est parti. Coucou les filles, on a des devinettes pour vous. Je vis dans la forêt. Je me trouve dans les jardins. Et j'ai des piquants. Qui suis-je ? Alors, je me trouve dans la forêt, parfois dans les jardins, et j'ai plein de piquants sur le dos. Qui suis-je ? Alors, Sacha, est-ce que tu as une idée ? Un animal avec plein de piquants sur le dos. C'est un hérisson. Alors, nous, on pense à un hérisson, Valentin. Est-ce qu'on a trouvé ? Deuxième devinette. Alors, c'est parti. Ah, et toi aussi t'en as une ? Ouais. Je grimpe aux arbres, je mange des noisettes, je suis un rongeur et j'ai une grande queue. Qui suis-je ? Alors, Sacha, Anna, je suis un rongeur, je monte dans les arbres, je grignote des noisettes et j'ai une grande queue. Un écureuil. On pense à un écureuil, Gabrielle. Un écureuil. Tu nous diras si c'est ça. Alors ensuite, deuxième vidéo. Un autre petit garçon. L'animal auquel je pense, il vit dans la savane, l'écrire. Alors, un animal qui vit dans la savane et qui a une crinière. À ton avis, Sacha ? Un lion ? Oui. Un lion ? Alors, Basile, on pense à un lion. Est-ce qu'on a trouvé ? Voilà pour les vidéos, et alors sinon on en a reçu quelques-unes à l'écrit. Alors, c'est notre copine Sogolo qui nous envoie. Alors celle-là, écoutez bien. Je suis dans le ciel, mais je suis aussi dans la mer. Alors, quand on regarde le ciel la nuit, qu'est-ce qu'on voit ? Des... Oui ? Des étoiles. Des étoiles. Et si je nage avec mon masque, qu'est-ce que je peux voir au fond de la mer ? Des algues. Oui. La même chose que dans le ciel. C'est le même nom. Des étoiles de mer. Des étoiles de mer. On pense aux étoiles. Est-ce que c'est ça ? Ensuite, j'ai quatre pattes et on peut monter sur mon dos pour se promener. Un cheval ? Un cheval, alors c'est Alice et Noémie qui nous ont envoyé. Un cheval peut-être ? Oui, dites-nous les filles. Alice et Noémie ont une deuxième devinette. Alors, je vis dans l'eau, sous l'eau, mais je peux aussi être dans une maison. Et j'ai des écailles sur moi. Un poisson ? Un poisson ? Un poisson peut-être. Et enfin, c'est Liam qui nous envoie une dernière devinette. Qu'est-ce qui est jaune et qui court très vite ? Alors, qu'est-ce qui est jaune et qui court très vite ? Un animal peut-être ? L'animal jaune ? Oui, qui court très vite. Oui ? Oui ? Quoi ? Peut-être, tu as raison Sacha, peut-être que Liam a pensé au même animal que Basile. Peut-être que cet animal jaune qui court très vite peut avoir une crinière. Comment il s'appelle cet animal ? Un lion. Le lion. Alors Liam, dis-nous, est-ce que tu pensais au lion ou est-ce que tu pensais à autre chose ? Merci les copains pour toutes ces bonnes devinettes qui nous ont occupés. Alors c'est à notre tour de vous proposer des devinettes. Sacha, c'est parti. C'est quatre pattes, c'était grosse oreille et c'est une trompe. Qui suis-je ?
Chut. Alors on se tait. À vous, à la maison, de trouver. Et Anna? J'ai 4 pattes et j'ai un long cou. Et des taches. Et des taches. Qui suis-je? Alors aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est mercredi bricolage. Alors c'est bientôt Pâques, le moment de manger du chocolat. Et donc les filles avaient envie de vous proposer un bricolage en rapport avec Pâques. Alors nous sommes allées chercher les petits bricolages que les filles avaient fait avec leur nounou. D'ailleurs on fait un gros bisou à votre nounou, à Delphine et à Lorina et Lorenzo. Et donc on vous propose, c'est votre imagination qui va décider, des neufs, cloches, poules, tout ce que vous voulez avec ce que vous avez dans la maison. Voilà, on vous souhaite un bon mercredi bricolage, on vous fait des gros bisous et nous on se retrouve vendredi. Bye bye.